Enfin, ça bug plus. Je ne suis pas avec ma team habituelle, donc. Je suis avec ma team d'une game tacticien. Comme je disais, du coup, j'ai refait une game et j'ai pas pu reprendre ma sauvegarde. C'était où? C'était là. J'ai pas pu reprendre ma game. En fait, je voulais dupliquer ma campagne et refaire mes persos à moi. Mais vu que je pouvais pas, j'ai fait une team de waifu et j'ai du coup recréé chaque perso. Karlak Paladin, Lizel Archer, Ombre, c'est la mage comme Yen. Et Yen est devenue ma barbare. Et du coup, en fait, j'ai la même team qu'avant. La seule chose qu'il y a, c'est que vu que j'ai l'expérience du jeu, franchement, tacticien, c'est gratuit. Hein. On aurait dû commencer en tacticien direct. Oula! Il y a des trucs qui ont rip-hop, là. Quelle version? Comment ça, quelle version? Oui, donc sur cette game, j'ai un mode, comme je disais, qui double le nombre de... Moi, j'ai pris double, c'est largement suffisant. J'étais en train d'hésiter à le faire sur ma partie spéciale, mais là, j'ai désactivé le mode, je continue Vanilla sur ma partie. Ça évite juste de faire des repos pour rien, parce qu'en fait, en général, en tacticien, j'ai remarqué que tout le monde est en forme, sauf le mage. Et à chaque fois, le mage, il dit, ah, on peut aller se coucher, les gars, s'il vous plaît, et tout le monde est en mode, oh, tu fais chier, et du coup, faut aller dormir. Et du coup, c'est chiant. Et du coup, moi, j'ai pas pris x4 ou x8, et j'ai testé, du coup, sur cette game, que depuis la dernière session, parce que j'ai fait genre tout l'acte 1 déjà en étant que fois, en étant normal, Vanilla. J'avais juste le mode des inspirations et le mode de l'argent, des vendeurs. Et regardez ce qu'il y a ici. Parce que, pourquoi je prends cette sauvegarde surtout, du coup, c'est pour vous montrer ce que j'ai découvert dans ma partie solo. Et je peux pas vous le montrer dans ma partie avec, la partie qu'on est en train de faire normale, la partie avec Kaiser. C'est qu'ici, il y avait un escalier pour descendre dans la dent rocheuse. Et en fait, je suis arrivé ici. Oula, ça bug. Et en fait, il y a une colonie d'hommes poissons qui était en train de vénérer un gobelin de Blanche-Neige démoniaque. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Je les ai convaincus que leur déité du sang ne méritait que le sang. Donc on a combattu à mort ce truc. Et maintenant, ils sont trop heureux. Et ils m'ont demandé à la base de sacrifier un de mes persos. Et genre, si tu sacrifies un de tes persos, tu gagnais un truc, j'ai pas trop compris. Mais vu que je l'ai pas fait, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je voulais montrer. On avait pas encore vu ces mobs. Il y a des hommes poissons dans le jeu. Kuotoa. Collier de le pieu, je sais pas quoi. Et voilà. Voilà. C'est surtout pour ça que j'ai repris cette sauvegarde. Sinon, en vrai, j'aurais repris directement depuis Kaiser. Et voilà. Et du coup, le mode, en fait, double le nombre de spells. Par exemple, ici, j'en ai 4. Du coup, j'en ai 8. Là, j'en ai 3. J'en ai 6. 6. Et là, au lieu d'en avoir 1, j'en ai 2. Je trouve même pas que c'est cheaté, personnellement. Ça double aussi le nombre de points de sorcellerie. Et ça, j'ai remarqué, c'est cheaté. Donc moi, ce que je vais peut-être faire sur ma partie, c'est que... Là, ce sera pas pour ce soir, mais je vais peut-être doubler le nombre de spells, mais pas de sorcellerie. Parce que sorcellerie... C'est vraiment cheaté de pouvoir tout... En fait, au lieu d'en avoir 7, t'en as 14. Donc, au lieu de faire deux fois un double spell, tu peux le faire 4 fois, ce qui est quand même vraiment, vraiment trop fort. Mais au moins, avoir plus de sorts, de sorts, c'est utile. Parce que comme je disais, en gros, même en tacticien, où tu prends cher et tout... Par exemple, je vais te donner un exemple, note. Avec cette team, sans le mode de spell, j'ai réussi à faire toute la crèche sans temps de repos, tu vois. J'ai même pas fait de repos long et j'ai fait toute la crèche Ilex. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'au fond, je me suis fait chier avec la déesse qui m'a trahi, et j'ai tué tout le monde en revenant, et ça a suffi. Mais au bout de 3 combats, Ombre servait plus à rien. C'est-à-dire j'ai fait le combat à 3V et tout le reste, tu vois. Parce que Ombre servait plus qu'à faire des sorts level 1 ou des traits de feu doublés ou alors simplement des fois rien, tu vois. Et c'est ça qui est chiant, c'est te dire tous tes persos sont valides et encore chauds pour le combat, mais tu dois faire un temps de repos pour un long repos pour un perso. Du coup j'y réfléchis, on verra si je le mets ou pas. Mais en normal, vu que ma game ici elle est en normal, équilibré, c'est pas un trop problème, tu vois.
Moi, je joue comme un merde, long repos à chaque combat. Mais en vrai, des fois, il y a des combats, tu dois faire un long repos. J'en fais beaucoup plus que d'habitude. Mais, genre, tu peux t'en sortir assez facilement avec l'expérience du jeu, tu vois. Surtout quand je suis pas en stream, je suis beaucoup plus lucide parce que j'ai pas besoin de réfléchir ou de parler ou quoi que ce soit. Je vois beaucoup plus de choses et ça se passe beaucoup mieux. C'est impressionnant comment, quand tu joues en stream ou pas, c'est une grosse, grosse différence. Parce que par exemple, le temps de jeu aussi est impressionnant. Même en se disant que je skip tous les dialogues, je crois que j'ai peut-être mis 12 heures de jeu en sachant que je glande parce que je regarde des animés en même temps que je fais la game, etc. Et là où j'étais peut-être à 17 heures de jeu, mais j'avais pas. Mais là, je suis déjà dans acte 2. Alors ici, acte 1 donne 14h40. Alors que franchement, ça pourrait être 10 heures, je pense. Vu que je mange ou je regarde des vidéos en même temps. Alors qu'ici, si je retourne à acte 1, ou ici, avant acte 2, j'étais à 39 heures, tu vois. Mais là, j'ai fait la crèche, je crois. Non. Non, même pas. Non, non, parce que la crèche, c'est l'acte 2, en fait. Moi, je pensais, d'ailleurs, à un truc. Moi, je pensais que la crèche, c'était l'acte 1. Et qu'en fait, passer par en dessous, passer par au-dessus, menait à l'acte 2. Mais en fait, non. Quand tu regardes bien, quand tu vas dans les souterrains, t'as pas de message qui te dit « Vous changez de zone, veuillez sûr que vos quêtes avancent. » Mais quand tu vas dans le col, tu as un message qui te dit « Tes quêtes avancent. » Et ça, c'est super intéressant. Je me suis rendu compte de ça aussi. Oh oui, c'est un chouïa abusé. Non, x8, franchement... Prends la version x2 et tu verras que c'est largement suffisant. Donc là, j'en parle en vidéo comme ça, après, la prochaine fois, je le ferai peut-être. Parce que franchement, c'est peu, quoi. Et franchement, 24 points de sorcellerie aussi, c'est beaucoup, je trouve. Donc je sais pas encore. On va voir aujourd'hui. Et si c'est chiant et qu'on remarque que vraiment Yen nous bloque... Ben on le changera peut-être. Aussi, je regrette effectivement, et là t'avais raison, j'ai pris le bâton électrique dans la game tacticien, et c'est un bâton ultra puissant. Je pense que c'est le meilleur bâton du jeu. Parce que la manière que je joue, en fait, vu que je joue avec trait ardent, rayon ardent plutôt, c'est pas trait de feu? Si, peut-être le spell s'appelle trait de feu. Ah non. Oh pardon. Ah ça s'appelle trait de feu, ok, bien. Vu que ça met un multi-hit, à chaque hit tu gagnes 2 charges et du coup très vite tu les stacks et en fait ça burst. Ça va être très très fort. Et c'est le meilleur bâton du jeu. Je le ferai peut-être spawn aussi parce que je... J'aimerais bien l'avoir. Vu que de toute façon l'arc électrique a très vite été surpassé. Et aussi, putain, ça a dû vous trigger de me voir jouer paladin pendant tout ce temps. Mais j'ai compris, enfin, paladin il ne faut pas faire des auto-attaques, il faut taper avec châtiment divin. J'ai compris. J'ai compris. Et aussi, ça rend le paladin beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, il a 8. Il a 8, 6, 6. C'est très fort. J'ai compris. Il faut taper avec les châtiments. D'ailleurs, en parlant de châtiments, Karlak, qui est du coup démoniste. Enfin, démoniste, qui est un démon. Ou la race des démons, je sais plus comment ça s'appelle. Elle gagne des châtiments de base. Qui sont très forts aussi. J'ai remarqué plein de trucs en rejouant. Donc c'était intéressant, voilà. Par contre, ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Si on regarde la date de la sauvegarde, c'était le 15 du 1, ou plutôt le 14 du coup parce que c'est la nuit, et on est le 18. Donc j'ai joué quand le dernier jour? J'ai joué dimanche soir, et on est jeudi. Donc je me rappelle plus trop qu'est-ce qu'on avait fait. Donc je vais juste regarder ce qu'on avait fait. Racocir. Oh, on a fait le dragon! On a fait le dragon. On a fait le dragon. On a fait quoi d'autre? Enigmes. Ouais, Enigmes. On a fait quoi juste avant? Submersible. Ok, on a libéré le padre. Mais on n'avait pas fait. On n'avait pas fait la meuf. On n'avait pas fait la. La demande d'espoir. On n'avait pas fait la meuf là. La meuf dans la taverne. Ah si, la sirène rougissante, voilà. Ok, ok. J'ai fait une baisse pour paladin. Bah ouais, parce qu'en fait, elle gagne déjà des trucs de paladin de base. Bon, je recharge ma save. Donc voilà. Et du coup, je sais pas si c'est cheaté, si c'est triché en gros. Parce que moi, j'aime pas mettre des modes qui trichent sur le gameplay. Par exemple, j'ai fait tout Skyrim
en mettant rien d'overpower, par exemple. J'ai mis juste des skins, j'ai mis des trucs graphiques, j'ai mis des qualités de trucs, mais j'ai jamais mis de mode de gameplay, tu vois. J'ai mis des modes d'armure et des modes de trucs, mais c'est toujours les mêmes stats, les armures et les mêmes stats que d'autres armures qui existaient dans le jeu. Et elles apparaissaient dans le jeu que quand t'arrivais au stade où tu pouvais crafter ce truc ou quoi. Mais c'est rare que, à part si vraiment le jeu est à chier, et que je sais plus dans quel jeu j'ai déjà fait ça, mais des fois le jeu est à chier au point que ça vaut la peine. On venait de faire un long repos, hein, du coup. Ok. Aussi, j'ai appris à mieux vider mon inventaire en rejouant. Parce que vu que j'avais pas de perso, j'avais qu'un coffre. Ici, j'ai 4 coffres. Parce qu'en fait, ma game, c'est comme si on était 4 persos. Oh putain, je me rappelle à cause du sang. C'est ce connard et sa famille. Voilà, maintenant, c'est ça. Je sais, faut faire Astarion. C'est bon, on va parler à tout le monde. Bon, en gros, j'ai du mal à me dire est-ce que c'est de la triche ou pas, quoi. Mais en vrai, j'aurais juste m'amusé. Quoi? Attends, qu'est-ce que... Hein? Je pensais que c'était des dialogues à chier. Dommage, il a pas pour plus d'inspiration de Bard. J'ai fait gueulot, dragon et trône. Trône? Trône, tu veux dire j'ai fait le rez-de-chaussée du donjon du méchant. Oui, c'est vrai, on était sortis... J'aurais pu me TP, mais j'ai préféré sortir de prison pour voir s'ils étaient méchants. Et effectivement, ils étaient méchants. Et c'était marrant parce qu'on leur a tous pété la gueule. Papa de Will. Ouais, c'est ça. On a fait... On a fait le padre de Will. Into la sirène rougissante. Into le dragon. Into, c'est bon, j'ai compris. Et on s'est fait attaquer par les vampires. Du coup, on va faire les vampires. Bon, la vidéo fait déjà 10 minutes, je suis désolé, mais c'est du RP pour que je me rappelle ce qui se passe. Bon, voyons voir Dameline, elle veut partir. Dameline. Ah, ally mine. We are reunited once more. Oui. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded absolutely dastardly. J'espère que vous allez pouvoir goûter un peu de repos, Dame Aelin. I always do, with darling Isabel by my side. Enjoy the spoils of your victory. Spin memories of Leroican's death in your mind like silk floss. My darling, we must inform our friend of our news. Indeed. Quels amis? I've scouted a Salunite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aelin and I will go to them. Ah, ok. Provide what help we can. C'est encore dans le jeu. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel and I will stand by your side. Ok, ok, ça va. We wouldn't miss it. Not for anything. Go well, friend. We will see you soon. And with our great powers combined, this city will be saved. Ok. Bah, je suis heureux pour eux. Oh, la chicha au milieu. Alors, Astarion. You're staring at me again. What do you want? Bah, tu fais chier. Not the kind of excitement I usually enjoy being woken up for. Still, better than not waking up. Vous me rejoignez au sanctuaire d'Innistra afin. Ah, oui, c'est vrai que je dois faire ça. Ouais, le team serait type. As-tu foi en vous à ce point? Ça ne m'intéresse pas. Regretter de ne pas avoir l'or pendant. Ok. On lui dira d'aller à truc après. On va faire Astarion d'abord. Et effectivement, dans ma partie tacticien, que je joue des fois au pif. Karlak elle-même, parce que je l'ai eu dans ma team. Et j'ai compris qu'en gros, faut les convaincre, c'est marrant, parce que moi, tous mes persos, mettre des larves, c'était pas un problème. Mais c'est vrai que tous les persos, ben, faut leur mettre des larves. Et j'ai fait un perso sombre pulsion aussi. Et franchement, j'aime pas du tout. Ça fait très Dark Sasuke, c'est un peu de la merde. C'est bon. Mais pourquoi je brille à chaque fois que j'arrête de parler aux gens?
J'ai le buff là. Ah, j'ai joué un peu à Baldur's Gate 2. J'ai croisé Jaehaera dedans. Elle est beaucoup plus stylée dans ce jeu. Bisous. Au revoir. Vigueur de temps, car si. Au prochain long repos. D'accord. Bah, tant mieux. Hein. But Will is yet a champion of the people. I'd hope Floric, Floric, elle est où? J'aimerais bien lui voler le bâton électrique. While the absolute commanded my mind, I condemned her to death. She stood by me even as the hell. Mais je l'ai sauvé. Tremendous news. I couldn't bear it if she died by my command. May the triad guide her steps. Le Baldurien est toujours à nos côtés, c'est le mec qui est dans mon crâne. Gods, can it be? The man who raised the city's walls became an Illithid. C'est ça, serait du pavé, quoi. En plus, hier, je t'avais dit que madame était coincée chez. Coincée chez ses parents à cause de la neige, heureusement qu'il reste. Car ce matin, son père a voulu déblayer la neige et il avait un AVC. Oh putain, le pauvre, j'espère qu'il va bien. Elle pourrait réagir et retourner chez elle, pour être avec sa maman. Il est à l'hôpital, ça va, il va bien? C'est chaud. Mais faut pas laisser les darons faire des trucs comme ça quand ils sont vieux, là. Ils veulent toujours faire des trucs alors qu'ils sont fatigués. Et vous faire aller le Turel. Ok. Oh, c'est trop triste. Yena, genre le mec, il a toujours pas compris que c'est qu'elle était méchante. Salut Yena. Oui. Franchement, plutôt que de... Si j'ai envie de savoir j'étais où, je vais faire ça. Quitter le camp. Ah oui, j'étais là, j'avais cherché un TP pour pas marcher tout le truc. Mais vous savez quoi, je vais remarcher. Tuer ou être tué. Ah oui, c'était les parents de l'autre con. Ça, elle était bien. Oui, prison. Oui, prison. Ah oui, la prison des trucs. On peut faire bal aussi. On peut faire le tribunal, non? Ou non, on fait d'abord Cassador parce qu'il était méchant. Et après, on fait le tribunal. On va faire ça comme ça. Et j'avais fouillé jusqu'où? Parce que la sirène résistante, c'est ici. Et ces bâtiments-là, je les ai pas fouillés. Ça, c'est les égouts. Et ça, c'est la société, visiblement. Je sais que je m'étais plutôt arrêté là. Et puis j'avais marché pour trouver un TP. Mais c'est plutôt cette rue là où je me suis arrêté. Je vais prendre d'ici. Là, l'hôpital, mâchoire côté gauche paralysé, et sans doute un hémorragie au cerveau. Oh le pauvre. Oh. Juste c'est un bon établissement, je vais prier pour lui le pauvre. Oh. Mais c'est pas fini, on peut toujours revenir de ce genre de choses. On a déjà eu des cas de mon côté aussi. Si ils règlent vite les bons radios, il y a toujours moyen de récupérer. Peut-être un peu de rééducation, au pire, au mieux. J'espère que ça ira. Version motion, je sais pas qui est là. Alors, non, quand j'ai fini cette game, tu peux me dire. Je m'en fous, j'écoute pas vraiment les dialogues. Je vois juste plus ou moins ce qui se passe et ça me fait chier. M'intéresse vraiment pas. Il y avait quoi là? Ah oui, c'est vrai, tu vas faire boom. Tu vas à la boom, j'avais mis. Je vois le délire qu'ils veulent faire. C'est juste que c'est pas des personnages qui m'intéressent en général. C'est des personnages qui m'énervent en général. C'est pour ça que ça marche pas trop sur moi. Personnages qui me prennent la tête. Ah, il y avait quoi? Ah, mais c'est à l'intérieur du bâtiment. Je suis jamais venu ici, chez. Home of Lavernica, groundskeeper of Bloomdridge Park, lover of birds, bees, and everything in between. Okay. Oh, il y avait moyen de passer par là? C'est où ici? Ah oui, ok. Ok, ok. Salut, mec. You one of Tamrin's friends? Non, je sais pas ce qui Tamrin, mec.
The captain's the one in charge. Take your words to her. Take your words to her. Frère de Crêtefleur. Ah, il me fallait un vendeur avant, ces bêtises. Et je vais en trouver un. Ah oui, putain, je sais ce que je dois faire. Faut que je rispe. Est-ce que je l'ai rispé? Non, j'ai pas rispé encore. On va aller le faire et en même temps, je vais trouver un vendeur. Alors, attendez. Pourquoi je garde tout le monde? Je dois risper mon archer. Parce que il y a un talent que j'utilise plus, c'est le talent AOE. Parce que maintenant j'ai un coup AOE. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai testé pour respect et c'était mieux. Il y a plein de trucs qui sont mieux. Qu'est-ce que. Laisse-moi voir si. Ouais. Ça peut être vendu. Ça peut être envoyé au camp. Je sais même plus pourquoi j'ai Stano de la guilde, mais je le garde. Ouais. J'avais pas revendu depuis. Allez au camp. Et comment je lui dis que tu restes avec tes parents? Bah oui. Tu restes avec ses parents. Toi avec sa maman. Ah, mais arrêtez de me parler de ma vie amoureuse, faites chier. Hein. Ok. Mes caracs sont restés. Explorateur né, pisteur urbain, ennemi juré, chasseur de primes, parfait. Confirme. Hop, 12 PV, MDR. Sors, bon. Tac tac. Non, dans l'autre sens. Tac. Style de combat archerie. Elle est trop stylée avec cette armure de cette couleur. Sort. Un triple saut, ouais. Chasseur. Et là voilà, en gros ici, il y a Briseur de Horde qui est très fort early game parce que ça donne une attaque en plus. Tueur de géants, c'est pratique pour, je sais plus, vous pouvez utiliser une réaction pour faire que c'est une attaque au corps à corps. Si on se fait attaquer, mais c'est plus quand tu joues mêlée. Et là, t'as goût du sang. Une fois par tour, t'as un D8 gratuit quand t'attaques quelqu'un qui a déjà perdu des PV. Et c'est super fort. C'est même early, en fait, c'est super fort. Et en fait, t'as vos briseurs de horde. Mais briseurs de horde, faut que les mecs soient l'un à côté de l'autre. Mais du coup, t'as pas la restriction de PV. Par contre, l'autre, tu peux, ça marche sur n'importe qui, mais il y a une restriction de PV. Donc, on peut dire que les deux se valent, mais au final, c'est mieux. Parce qu'une fois que t'as volé, qui est une AOE, j'utilise plus l'autre, donc ça a rien. Ah, par contre, tu vois, ce sort, c'est trop fort en tacticien. Tacticien, c'est vrai que les ennemis utilisent beaucoup plus leurs techniques et leurs habilités. Ça m'apprendra à pas jouer en difficile depuis le début. Au début, je pensais que le jeu serait peut-être trop compliqué, trop chiant, mais en vrai, c'est gratuit. J'aurais peut-être galéré au début parce que vu que j'ai jamais joué à Baldur's Gate, le temps d'apprendre à comprendre certains trucs. Par exemple, il y a plein d'autres trucs que j'ai pas compris, genre, et que j'ai mieux utilisé tout seul, comment ça s'appelle? J'avais pris quoi ici? J'avais pris des lances multiples, ouais. Comme les... comment t'appelles ça? Les sorts qui durent jusqu'au prochain long repos. En fait, c'est des buffs gratuits, c'est abusé. Et t'as plein de buffs gratuits qui sont en rituel. Et du coup, qui te prennent même pas de spell, c'est abusé. Ouais, j'ai vu, les boss ont des attaques spéciales et tout. Mais genre, mais même ça, c'est même pas ce qui me choque le plus, en vrai. Parce que les boss, il y en a pas beaucoup et... qu'ils fassent leur attaque spéciale ou pas, tu risques quand même à les vaincre. Moi, je trouve que les bêtes combats, c'est plus une dinguerie. Genre, ils vont utiliser saut pour... Genre, par exemple, au lieu de marcher vers toi, le mec, il va marcher et utiliser saut pour gratter 3 mètres, tu vois. Ce que en normal, le joueur fait ça, tu vois. Le mec va se cacher, il va utiliser ses objets, il va empoisonner ses armes, il va utiliser des grenades.
va soigner correctement ses coéquipiers, il va faire un bon ordre d'action, il va être... L'IA, tu remarques, c'est pas comme tous ces jeux où quand tu joues un difficile, c'est juste plus dur, plus de PV et tout. Les ennemis font plus mal et ont plus de PV. Font plus mal, je suis pas sûr, je crois qu'ils ont juste plus de PV, parce que les dés, c'est les dés. Mais la manière dont ils jouent, tu vois que l'intelligence artificielle est meilleure. Je crois qu'ici, je pouvais prendre ce que je veux, j'avais pris coup au but, je crois. Je peux prendre dresseur de bête sauvage, mais vu que j'utilise jamais ce truc, autant prendre une résistance contre le froid, contre le poison. Et que le poison est plus fréquent que le froid, je prendrais poison. Mais ça, j'invoquerai jamais d'invocation. J'ai quoi comme sort? Tac, 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 quoi, c'est bon. Voilà le meilleur sort du jeu, volé. Je crois que c'est ce que j'avais, non? Boui, 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 ouais, je crois que c'est bon. Ah oui, non, c'est vrai, tireur d'élite. Je suis tireur d'élite. Poum 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 poum. Aussi je pense que je pense aussi honnêtement que le nombre des sorts, et après j'arrête d'en parler, je pense que c'est très bien équilibré, mais faut oublier que c'est un jeu de rôle sur table. Et du coup, quand tu fais un jeu de rôle sur table, t'as aussi beaucoup plus de jeux de rôle et de discussions entre les joueurs, les PNJ, d'aventure, que de combat, je crois. Et peut-être que autant de sorts, c'est largement suffisant, et en tout cas, ça se passe bien. Mais dans un jeu comme celui-là, où c'est gamifié, il y a tellement de combats, en vrai, franchement, c'est peu. Je trouve. Surtout quand tu joues bien. Enfin, quand tu joues bien. Quand tu t'en sors bien, tu perds pas autant de problèmes. Tes autres persos, ils sont encore chauds, quoi. Bon, voyons voir. On va voir ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de blabla avant de continuer. Plusieurs rejetons de vampires nous ont attaqué pendant la nuit, blabla. J'aurais le palais de Calador. Oui, oui, oui. Ah bah en parlant de buff, je me suis pas encore buffé. Regarde, déjà il a que 3 spells level 3. Et visiblement j'en ai utilisé 2. Bon. J'ai fait ça, moi ? Bref, peu importe. Tu sens que... Je sens que c'est peu, quoi. Grande foulée devrait être une AOE, mec. Ils auraient dû faire en sorte que certains sorts soient AOE hors combat. Et par exemple, il y a un autre truc que j'ai vu, c'est ça. Art magique, c'est concentration jusqu'au prochain long repos. En gros, t'as plus 1 d'attaque, et etc. Si c'était pas concentration, ce serait une dinguerie. Si, jusqu'au prochain long repos. Il a une aura, il a pas d'aura en cours. Il y aura de courage, quoi d'autre? Aura de vitalité. Aura de courage, effrayé. Aura du croisé, c'est concentration. Hein. Aura de vitalité, c'est concentration. Et que ces deux-là qui demandent pas de... Faire l'aura de base. Hein. 5 au jet de sauvegarde. C'est combien de mètres aller proche? 3 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je pensais que ce serait une aura comme dans...
Comme dans WoW. C'est genre 30 mètres. Enfin, 30 mètres c'est peut-être beaucoup, mais un gros cerf quoi. Bonjour madame. Park's no place for a stroll anymore. You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. Une larve. Or perhaps you find something bloodier. The Absolute Warriors are at work, just beyond here. You'd be wise to not interfere, brother. Oh. Qu'est-ce qui se passe dans le parc? Nothing's going on. And even if there was something, you'd be wise to ignore it. D'accord. Absolute's business. Got it? Now be off. You'll attract attention. In her name. J'adore comment ils me prennent pour des alliés. C'est trop stylé ce genre de truc. Affiche disparue. Ah bon? J'avais déjà lu tout ça. Hein. Je vais juste les relire au cas où. Okay. Impossible à atteindre. Bon, vas-y. Je veux que je te dise. J'arrête de tout ramasser. Hein. Putain, mais vous me verriez jouer en solo, je ramasse rien. En fait, vu que je sais où sont tous les objets uniques, bah, j'ai plus besoin de ramasser. Il est joli ce parc en tout cas. Il y a un bâtiment ici. On va voir cette statue. Ode à la joie. Joy in stone, compliments of Stony and Bony. Stony and Bony? Ouais, j'ai entendu ça quelque part. Oh. Oh, oula, c'est quoi ça? Ça va être... Ah, c'est pas l'usine? Non, non, ça ressemble à un château plutôt. Porte de Baldur. Je me demande c'est quoi? Il y a une famille royale à Porte de Baldur, un truc comme ça. Putain, mes frères ramassent. Hein. L'herbe à meurtre fait un malheur. Je me lasserai jamais de cette blague de merde. Aussi trier les livres de ces conneries. Pam 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 pam. Ouais, tous les objets, j'ai fait un truc dans ma autre game aussi, tous les objets légendaires comme ça, sauf celui-là parce que je peux pas le bouger. Et qui semblent être des trucs de... Putain, honte. Qui sont des trucs d'histoire. Je les ai envoyés à Yen. Ça facilite aussi. Fond de remède. Avant, mec. Et là, c'est mes popos trucs. Fond d'héroïsme, je vais avoir avec le nain. Voilà, comme ça. Comme ça, elle est bue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il lui manque de la résolution, elle, non? I well met, citizen. Oh, I mean fellow citizen. En vrai, bah, je sais pas si je vais rester dessus. Oui, ça fait 4 attaques par tour, même, voilà.
Moi, je joue en tacticien avec cette équipe. Et de toute façon, j'ai vu que la difficulté max, c'est tacticien. Honneur, c'est juste que t'as pas d'autres sauvegardes. Et en vrai, vu comment ma game se déroule, avec une sauvegarde, je m'en serais sorti tout aussi bien. J'ai peut-être reload 2-3 fois, juste parce que... Parce que j'ai genre misclick ou des trucs comme ça, tu vois, et ça m'énervait. Donc je suis assez content, honnêtement. J'aurais dû lancer un honneur direct, mais... Vu que j'avais pas encore testé tacticien, j'étais en mode putain ça va être trop chaud et tout. En vrai pas tant que ça. Hein. Oh quoi? Mais ça me rend dingue quand il y a un bruit de chewing et je vois pas la lumière blanche du truc. Tant pis, j'ai pas vu. Hein. Ici? J'essaie de trouver avec le bruit. Ah ça! Genre les tags? Peut-être les tags. Oh putain! Portrait héroïque de Gortash. Ah, ils jettent de l'or. City's founder gazes out to sea. Voilà. Hey, un mec caché là-bas. Et du coup, ouais, ce que je disais, c'est moi, par exemple, j'ai même pas joué. Tout le monde dit occultiste, bard, c'est tout. Au final, j'ai joué barbare, paladin, sorceleur, archer. Parce que vu que je connaissais les jobs, c'était plus simple. Et la flemme de lire d'autres persos. Et j'ai pas eu de problème, donc au final, tu peux jouer tout, hein. Quoi ? Mais Lady Orin asked us to test you, but I think you'll fail. Ah, c'est les assassins de Baal, de Orin. Mais j'aime bien comment ils font les assassins alors que je les ai vus. Je l'ai vu à 10 km, tu vois. Ok. C'est elle qui va jouer. Ok, mais c'est qui va jouer après lui? Ok. Comment ça, impossible? Ah, il est sanctuarisé. Ok, je comprends. Et là, j'ai pas la vitesse. Bon, bah, les gars. C'est rien. Mais pourquoi elle est pas avec moi, elle? C'est une assassine? On dirait que c'est pas une assassine. Ah si, menacée, inarrêtable. Subit 1 par 3 tours. Ah putain, ils ont inarrêtable. Ouais, c'est chiant. Je vais taper. Bah du coup, je vais cleave, comme ça je retire un inarrêtable. Pas coup critique. Ah merde, j'ai tué lui? Bah tant mieux. Donc j'ai retiré un inarrêtable. Et qui d'autre a inarrêtable? Inarrêtable aussi. Et qui d'autre? Ok. Et ok. Ah ouais, des gens en haut. Ils ont pas inarrêtable. Bah en vrai, je vais... Dommage, j'ai pas un truc qui multi-hit, mais je vais juste taper. Hein. Inarrêtable. Démérité. Inarrêtable, 1. Oh putain, ils attaquent... Non! Je savais pas qu'ils faisaient ça! Oh, ils assassinent la dame! Oh, je suis stun. What the fuck? Ils ont stun le perso le plus fort du jeu au cas où. Ils savent, hein. Qui joue? Lui, il est en sanctuaire. Bah, on va tirer sur les gens en haut. Ah, mais ils sont pas déjà blessés. En vrai, ici, je peux retirer de l'inarrêtable aussi. Ouais, c'est critique. Comme ça, on one shot. Ah, presque. Je vais perdre la place pour le paladin. Oh l'échec. Bon, invisible et sanctuarisé.
Plop. Plop. Arrêtez de m'étourdir. Ah, c'est une aura d'étourdissement, ok. Donc le paladin, j'ai compris. Aura du vandal magique. Et ensuite... où sont mes attaques? Ici. Ah, pourquoi c'est en trois lignes? Voilà. Ah mais merde, il est en inarrêtable. Je me suis raté. J'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Je vais le montrer sur elle. Elle est inarrêtable ou pas? Elle est pas inarrêtable. Critique. Voilà. Donc là par exemple elle avait 76 PV, elle est morte. Et en fait c'est ça qui est fort. Donc comme vous pouvez voir. Et ça fait tout autant. Et en plus ça n'a rien à voir avec être paladin Vindix. Parce que dans mon autre team, dans mon autre game, vu que c'était en tacticien, je me suis dit je vais faire paladin soin. Et ça fait tout autant de dégâts en fait. Et en fait ça a rien à voir avec faire un paladin DPS ou soigneur. En fait c'est de la merde. C'est la même. Oh le dodge. Inarrêtable 1. Oui écoute, inarrêtable ou pas. Keep out of this, Captain. Quoi? Do not forget who you serve. Quoi? Of course, apologies. I warned him not to interfere. Not I. We. And we do not serve. Defective. Very well. Another offering. Je savais déjà. Bravo mec. Ça n'a rien à voir. Je le montre parce que moi je le faisais pas. Après honnêtement, bas level, le pourcentage de toucher était tellement à chier que bon. Mais du coup ils m'aident en fait, parce que dans leur tête, parce que je suis un mec de l'absolu. Oh trop bien. Je commence à comprendre, ok. Ouais. Elle est là. La meuf à qui j'ai parlé au début. Bon, j'avais pas besoin d'aide mais c'est cool hein. Je suis un peu déçu qu'ils aient tué une... J'aurais dû sauter là et... Mais vu que j'avais fait rage déjà, je pouvais pas savoir. Inarrêtable 1, que sous l'exifas ne pas agir. Ah, maintenant on peut y aller. J'ai une attaque stylée avec l'attaque là. C'est l'épée du dragon du coup. 37-52. Inflige des dégâts supplémentaires grâce au bonus de maîtrise. En cas de coup au but, si la cible est de grande taille ou de très grande taille ou gigantesque, elle subit 2 12 supplémentaires. Ah ok, faut que je tape des grandes créatures avec. On peut faire un petit coup critique. Oui. Aussi du coup barbare, je voulais essayer peut-être un autre barbare. Parce que comme je disais, cette attaque elle réduit tes chances de toucher à force que tu fais attaque frénétique parce que tu deviens de plus en plus fou. Mais t'as aussi une attaque gratuite connue en lourd ici qui tue quand même. Mais faut avoir tué quelqu'un pour ça. Donc ça dépend. Mais ouais, les deux sont sympas. Enfin Yen qui peut jouer. Oh level 4, 4 PV. Pas besoin de faire plus que ça. On va voir il est où le mec invisible. Ouais, peut-être pas là quand même. Ouais. Peut-être qu'il est autour de nous. Où est-ce qu'il serait allé? Genre là? Ouais je sais pas. Le mec il va taper au pif. Là! Je sais pas. Ok, il était là. Putain, j'aurais dû tirer autour d'elle. D'ailleurs, Volo, j'ai fait ce qu'il m'a fait. J'ai fait le truc avec Volo dans mon endgame. Et effectivement, ça te crève un œil et ça te donne voir l'invisible, ce qui est pratique pour des situations. Donc en gros, ma game est plus compliquée, mais c'est pas grave. Hein. Voir l'invisible non plus, c'est pas le pire truc. Châtiment divin. Mais y a pas, du coup, les autres châtiments, c'est tout aussi bien, non? Ah non, c'est un peu mieux ça.
Ouais. Châtiment révélateur. Châtiment révélateur qui est très fort aussi. Oh le pauvre. Comment ça? Qui c'est qui parle? Manipulation des Denosa. C'est votre paradis pour sonder ses pensées. Deux. Oui, j'ai vu, on peut utiliser l'agrandissement, j'avoue. J'avoue, j'ai pas fait la remarque. Mais ça prend une action, non? Ou une action bonus, je sais pas. Do not waste time. This mind cannot bear us. We learn. We grow. Loosen our clumsy bindings. Aid us. Ah, le cerveau qui veut que je le sauve. Dead. Changeling and tyrant remain at odds. Kill them. You have a place in my grand design. What happened? Le cerveau qui nous demande de l'aider, c'est une dinguerie, ça aussi. Oh. Oh non, elle est morte! Oh, je suis mort, pourquoi ce qui m'arrive? Mais non! Elle était gentille, mignonne, j'aurais aimé qu'elle survive. Je suis désolé, mec. C'était des... Tu vois pas leur nom au-dessus de leur tête? C'était des tueurs de balles. Ah mais moi au début je pensais que c'était des vampires cachés. Là, je peux prendre la balle. Petite ode au bonheur là avec tout le monde mort. Là j'aurais dû la looter vite. Je peux plus la looter. Désolé les gars. Ah je suis triste pour eux quand même. Attends, j'ai appris une strat pour looter. Franchement, quand je joue tout seul, je lis mieux. Hein. Vraiment que j'apprenne à jouer tout seul. Regardez ces flèches. Non, pas cette flèche. Regardez les flèches des ténèbres. Puis après, je peux juste looter la petite. Personne ne sait que c'est moi. Une dinguerie, non? Tellement facile. Mais faut lire, mais vous savez quand on stream on a pas le temps de lire. Elle a tellement de trucs à lire déjà. Et du coup comme Elnot a dit, oui avec cette épée je ferai agrandissement. Non, forme de géant. Mais ça j'avais pas déjà avec un autre objet. Ah merde, je suis pas parti assez vite. Oh les objets volés, bon à l'attaquer alors. Putain, je pensais que ça allait marcher. En tacticien ça marche. Oh ouais, je vais reload, mais je vais m'amuser à les tuer. Ça lui apprendra. Oh, attendez, en mêlée en plus. Regarde. Ça le fait mal, hein, en mêlée. Ah, mais c'était action bonus, je peux plus faire. Come on. Can't stay idle. Comment ça je m'ai interrompu? Revenez ici madame. J'avais pas aimé ça hein. Ah putain j'ai mis level 3, putain je suis à chier. Pas level 1 quoi. Enfin j'ai cliqué hein. Mais j'ai dû annuler. Imagine pour chaque coup je prends deux charges de trucs, c'est abusé. Je vais laisser tranquille. En fait, faut juste se barrer plus vite, je pense. Je me rappelle plus. De toute façon, elle avait rien sur elle.
Donc où sont ces vampires là? Ah, qu'est-ce par là-bas? Ah, ça a rien à voir d'être, ça a rien à voir avec le parc. Alors avec le parc, faut que je passe par là. Oui, par ici en bas. Comment ça par ici en bas? Ok. Je check quand même ici s'il n'y a pas un passage chelou. On dirait une porte, hein. Y'a pas un jeu de perception. Va venir ici la nuit. Ah non, mais les jeux, tu peux pas faire ça. Ah, très bien. Alors ici, y'avait un truc qui disait le jeu de perception. Rien raté, genre. Pas. Alors c'est un trou ici dans le mur. Non mais tu le verrais dans la caméra. Moi je vais chez Cassador. Je pense que j'y vais depuis là alors. On monte sur le toit et faut que j'ouvre la porte. Non mais ça a rien à voir. C'est bizarre. Tour du palais César. On va essayer, hein. C'est pas dangereux de rentrer. Ah, je peux, hein. Ah oui. Je peux sans problème. This is the palace of Cazador Zar. Ah, mais c'est Cazador Zar. Qui est Cazador Zar? Ses mots sont clairs, mais spoken without thought or intent. Behind her eyes, you see nothing. She's a drone under some magical charm. Je pensais que c'était. Vu où c'était sur la map, en fait, je pensais que les vampires ils avaient une crypte dans le jardin qui ressemblait à un cimetière. En fait, j'ai rien dit. D'ailleurs, faut que j'aille dans le cimetière aussi. Encore un mot et je vous fais voler par la tour. Par la fenêtre de la tour. Vous allez pas me faire chier, hein. Il voit pas les veines qui sortent de mon visage. She pauses for a moment, but keeps her mouth shut. It seems you're free to enter. Ah voilà. Ça vous, vous permet de survivre. Ah mais ils sont manipulés par quoi? Charmés. Puis on dirait des Pokémon psy. Donc ce truc là, c'est le palais de... Ah ouais, il est en hauteur. Ok. Allons-y, hein. Les... Je prends. Voyons voir. Hey mec. Salut les mecs. Ça va par chez vous? Je me demande comment ça va se passer si j'y vais sans le vampire. Hein. Bon. On a bien fait la crèche sans les ailes et la plupart des trucs sans qui que ce soit. Mais je vais quand même faire une sauvegarde ici. Au cas où il nous demande de prendre l'autre con. Sauvegarde. Au cas où... l'autre con. Merde, j'ai pas écrit en majuscule. Au cas où... L'autre con. Oh! Ah bah oui, il y a des chauves-souris, c'est forcément des vampires. Éliminé. Il y a une dague à la main.
Il est level 1, il va pas me tuer. Liste de Victoria. MTP. Alors là. La vente. Immortel, je connais déjà. Ok. Des bots? What the fuck, mec? Acheter la vente. Tout, tout, tout. Allez, mec. Meuf, plutôt. Enfant. His palace must be pure. No stain. Par contre, Pokémon, il y a ce jeu de survie puis survie Pokémon Palworld. Ouais, j'ai vu, ça a l'air sympa. On dirait Arc Pokémon. C'est pour toi, ça. Another guest for the master's celebration. Bonjour, Wilhelm. But you're so late, the doors are sealed. All is underway. Ah merde! J'adore les cérémonies, c'est pourquoi. Tonight, the master completes his ritual of ascension, and well, the specifics are a matter for those inside. If you wish to join us, you are too late. The master has commanded the doors stay shut until the ritual is complete. Mais c'est pas grave, ça. Il sera énervé si je suis pas là, hein. Et c'est vous qui allez prendre cher. The master's anger can be extreme. Ah bah oui. Ah bah oui. Please forgive me. I cannot unseal the doors. The master's kennel keeper Godi, only he is trusted to open them. D'accord. Et il est où? If you must find him, he lurks in the kennels below. Now please, I need to prepare. All must be perfect for the master. Pas de problème. Alors, tu sais quoi, un peu les caisses, parce qu'il y a des updates. Nous sommes à l'intérieur du palais. Un serviteur Kazon nous a appris que les portes du palais étaient scellées. Seul Ishion, qui est chargé du chenille du palais, peut nous aider. Très bien. Sœur dansante. Ah, ouais, carrément. Je pensais qu'il allait parler. Ah, mais c'est ça, du coup, la porte sinistre. La porte est couverte d'un intricate texte. Ah. Mais vous ne pouvez pas voir où une clé pourrait fit. Seulement un petit round hollow engraved with a family crest. Mhm. Essayer de décrire le texte avec ma puissance d'histoire nulle. Oh putain, pas ça. Merde, faire 25. Peut-être que Yann peut y arriver. The door is covered in intricate text, but you can't see anywhere a key might fit. Kozakurien. You can make out enough to recognize an incantation, but the specifics elude you. You can tell you're missing something, though. You spot a reference to the family signet. D'accord. Oh purée, les gestes passent bien. The indentation seems to be the right size and shape to fit a signet ring. Ok, il faut l'anneau. Très bien. J'ai compris. Merci Yen d'avoir un cerveau, parce que la team n'a pas un. C'est Hogwarts Legacy, mec. Bonjour madame. Eyes are alert, verging on manic as she bustles about. Everything's got to be right for the master. Everything's got to be perfect. Ok. Elle est en panique, hein. Victoria. Ok, de la pouvoir nécrotique là-dessus. Je checkerai ça un peu après. Mais quoi, hiding in plain sight? Mais le jeu est bugué. Je fais des investigations sur des trucs qui sont même pas visibles encore. Porte du chenil. Ok. C'est quoi? Allez, du dortoir.
Les mecs. I must be busy. Oui, j'ai compris. Vous êtes tous possédés. Hein. Les dortoirs, du coup. Oh, je vole l'argenterie. Comme à mon habitude. J'adore voler l'argenterie. L'argenterie. Un panaché. Des vêtements, des slips. Des slips. Oh, la tenue est noire. Elle va mieux à Yen vu qu'elle est noire. Oh. C'est mieux. La vente. Celui-là. Ouais, Yen. Un papier. Léon, 15 000 fois Léon. Hein. Le shérif fouille bien les meubles. Ouais, d'ailleurs, ma partie tacticien, quand j'ai fait spawn les... En fait, ouais, La quête où on sauve Floric et on peut choisir les items électriques. J'ai repris l'arc, puis je me suis dit, je vais tester le bâton, comme je vous ai dit. Et en même temps, j'ai vu que je pouvais faire spawn tous les vêtements du jeu. Alors, je l'ai fait. En vrai, c'est des vêtements, c'est pas non plus du gear. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont incroyables, hein. Mais il n'y a rien de plus incroyable que la tenue BDSM de Raphaël chez les démons. Hein. Putain, cette tenue là. Allez, 2 secondes, on m'appelle.
J'ai pris un peu de temps. Je suis joué avec un peu avec mon neveu. Forcément, c'est un bébé. Quand je passe, il est là. Forcément, je reste un peu avec lui. Tu as vu la robe blanche? La robe blanche. J'ai looté une robe blanche, moi. Ah non, tu disais dans ce que j'ai... Dans ce que j'ai looté. King Priority, bien sûr. Tu disais dans ce que j'ai looté dans le truc, je me rappelle pas, non. C'est un vêtement? J'ai pas dû faire gaffe. Il y en avait tellement aussi. Il y en avait tellement. Mais je ferais peut-être spawn les vêtements. Comme ça, je pourrais vous montrer. La prochaine fois. Donc attendez, je suis en train de fouiller, on a tout fait. Donc ça, c'était un cul-de-sac. Et là-bas, c'était aussi un cul-de-sac. C'était les... Ok, c'est les vestiaires. Très bien, on peut ressortir. Ici, du coup, il y a le chenille. On va pas y aller. On va aller là, du coup. Je sais pas si elle va m'en vouloir, la meuf. Je vais parler à la porte magique. Ah, merde. Malédiction améniante. Bon, moi, j'y vais. Hein. J'ai pas peur, hein. Ah bah c'est le cadavre. Malédiction améliorante de la truc 4d6 plus 4, ok. Comment je peux faire pour la démaudire? Ah mais le nain il a pas une... Attends. Le nain il peut... Ah je suis plus maudit là non? Le nain, il peut la démaudire, mais il a plus de sorts level 3. Ouais, tu sais l'amulette qui rend les sorts level 3. Elle est où, bordel? What the fuck? Hein? Ah, elle est là. On peut pas juste quitter le tour par tour, c'est quoi cette merde? Je crois que je peux serrer ma addiction avec ça. Ah bah voilà. Est-ce qu'il est arrivé à la petite Victoria? Il y avait pas les listes de Victoria dans un des trucs que j'ai lu? Note de Victoria. Tiens, lui pas de lire cet ouvrage ancien, père. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la petite? Oh les bâtards, liste de Victoria. Il y a 17 tableaux, mais parfois certains d'entre eux sont identiques puis ils redeviennent différents. Il y a 17 candélabres, parfois je les allume et les bougies ne se consument pas. Il y a 17 chaises, ce qui fait parfois trop la plupart du temps. Père dit que si je vais dans la salle de bal, je me ferai mordre 17 fois par 17 rats. Eh ben. Je comprends rien. Oh le joli chapeau, les. Ah, joli. Ouais, c'est façon de parler quoi. Tu devrais la loot dans ce donjon. D'accord. Elle sera splendide. Splendide. Tu peux taper ou pas? Bah ouais. Casque de cran. Ah ça ce qu'il y a, ça ce qu'il y a, c'est quoi ça? Le porteur n'a, quand le porteur n'a plus que 50% de son maximum de points de vie ou moins, il gagne une action bonus supplémentaire. Oh. Mais ça c'est pas genre roublard de base? Je crois que si. Hein. Je crois que roublard de base, c'est meilleur en ce genre de choses.
It's like the symbols. Purée, purée, purée de pommes de terre. J'adore ce qu'il y a à vendre. Vous avez déjà lu, hein? Ouais. Voyez au courant. Donc attendez, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Franchir le saut de la salle, nous avons trouvé un dictionnaire de Kodan, le langue de Tenus, blabla. Un serviteur nous a appris que la porte était scellée. Ah, j'ai un dictionnaire, mais du coup, mais je sais déjà qu'il faut la chevalière. Pourquoi la quête elle s'est pas update d'ailleurs là-dessus? On va quand même aller reparler avec la porte pendant que j'ai le dictionnaire pour voir ce que ça fait. Les inscriptions. Ok. Suite du chambellan. Bureau du chambellan. Robe élégante. Ah, celle-là? Ouais, stylé, mais oui, je vois. Ah non, mais moi je l'ai pas eu dans la liste des trucs. Il l'avait pas mis. Ouais, stylé. Ouais, on dirait un truc de healer. On dirait une tenue de healer dans. Comment t'appelles ça? On dirait une tenue de healer dans F14. J'avoue, c'est stylé. Très, très, très stylé. Alors, voilà, je me disais bien. On ne veut pas être non plus. Pas un QI de fou non plus pour comprendre ça. Pas être débile, hein, ça c'est facile à découvrir ça. Faut pas être un génie, je veux dire. Pour voir ça, ok. Coffre. Pain de savon, le Kama Sutra on connaît. Bon, on a qu'à jouer. Mais pourquoi à chaque fois il y a le truc, il y a le bruit et je vois pas? Ah putain, c'est là. On a un type de duffet. Oh. Et quoi, ça a pas suffi de lire? Vas-y, ce que dit la dernière page. Quand les faits. Mon seul regret concernant ma tendre blablabla. Quand l'effet de la potion se sera dissipé, Kazador a terminé son ascension et il aura besoin de mes services dans le cas contraire. Il sera mort et la gouvernante du palais me reviendra. Mon seul regret concernant ma tendre, hein, mais je ne peux pas prendre le risque. Attends, je comprends. Je vais pertinemment. Je sais pertinemment ce que le maître prévoit de faire lors de son rituel, et je refuse d'être le remplaçant de ce souverain d'Astarion. Même si Kassador trouve mon corps, la potion de... que le matelot m'ont vendue devrait lui donner l'impression que je suis réellement mort. De plus, je vais laisser une fausse potion de poison acide près de moi pour que l'illusion soit parfaite. Ah, il va utiliser le corps de ce type-là à la place du corps de d'Astarion pour devenir un immortel ou une connerie comme ça. Oh, le tableau géant, moi. Pas leur moyen de passer ici, tu vas me dire. En vrai, mon spell, ça aide beaucoup. T'as vu, hein, c'est abusé, hein. Mais c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être trop cheaté, tu vois. C'est pour ça que je doute. Je suis en mode, ouais, peut-être c'est trop cheaté. Parce que moi, j'ai pas eu le sentiment que c'était trop cheaté, j'ai eu le sentiment que ça me faisait gagner du temps. Mais par contre, moi, plus de sort de plus de sorcellerie, ça j'ai trouvé cheaté. Parce que faire un des spells faire des spells au level à la rigueur, parce qu'en vrai tous les persos font mal, mais les faire deux fois, ça c'est vraiment abusé. Autant de fois deux fois là, c'est beaucoup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je peux déjà franchir, nous avons trouvé l'élixir de Coranin. Un des serviteurs nous a appris que la porte de Val était scellée. De l'Ichion. Non, faut quand même aller voir Ichion. Ouais, c'est un peu QOL aussi, je trouve. Oh. Ok, mais de toute façon, je l'ai vu. Donc je peux lui parler aussi. Spotted me, did you? Sharp for a mortal servant. Wait. You are neither spawn nor servant. An intrusive mortal, then. Bah non. You made a mistake, little thief. Bless us, master. May we be worthy of you. Another fight. Fermez la porte. Mais j'aimerais bien par contre avoir le bâton. Le bâton peut-être. Le bâton de foudre. Parce que je trouve que ça reste le meilleur bâton du jeu. Là, ça c'est trop chiant. Ok, j'ai la chevalière. Parfait. Je t'avance. Putain, mais moi je pensais qu'il y aurait des chiens dans le chenil. Je croyais que je serais dans un sous-sol ou un truc de fou. Même pas au final. Il est plus petit que ce que je pensais. Hein. Ah oui, il y a de ça. Okay. J'ai l'impression d'avoir raté un passage dans cette zone. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'il y a un truc évident, une porte évidente ou une porte cachée que j'ai raté. J'ai mal à voir pourquoi. Peut-être à cause de ce cercle là. Hein. Y'a quoi ici? Oula! Ah ouais, il se passe des choses en vrai. Ouais, c'est une impression, je pense. Juste être une impression. Ouais. Hein. Une impression, pas qu'une impression, je pense, mais bon. Il y a quand même un couloir chelou. 5. Is that blood? No, never mind. J'avais pas 80 PV, 180 PV moi avant. Je sais plus mec. C'est quand même bizarre, la connexion à distance, tu as testé car je me vois pas déplacer la console à chaque fois que... Moi je la branche avec la connexion à distance pour jouer sur PC, jamais utilisé. Ouais, derrière moi, je sais pas. Et elle est branchée aussi en Ethernet. Sinon c'est mort. Là c'est la chevalière. Yep. Oh merde, c'est fini. Salut les gars. J'ai des vampires ou des loups-garous là, je comprends plus. Ou les deux peut-être. But most important, no witnesses. Ah ouais, d'accord. C'est ce genre de combat. Oh, c'est facile. Autant d'ennemis, c'est gratuit. En fait, vous êtes des animaux. Okay, autant d'ennemis, c'est gratuit, vous allez trop prendre trade, pourquoi? Parce qu'en gros, tu fais une parade avec un barbare. Il s'en rêve. Donc quand les mecs vont arriver, en fait, tu fais un goulot, quoi. Je fais même forme de géant pour le fun. Oh, je suis intestable. Oh, c'est trop stylé. Ok. Oh, le nain joue dans trop longtemps pour bien bloquer. J'aurais dû me mettre au milieu. Dommage. Ok, et là du coup avec ouais, fou, on va faire la zone de pic. Hop.
Ah merde. Et une petite... enfin, un petit charlement sur lui. Voilà, je vais me mettre là. Je suis pas facile à choper. Ah mais... Oh ça m'énerve. Hein. Hop, j'ai plus le raccourci pour faire deux. Avec ma hyène, je fais reparer, je pense, avec un mur de feu. Ah merde, je suis trop con. Oh, j'ai oublié, my bad. J'ai oublié que c'est... my bad. J'ai oublié que c'est des concentrations chacun, je suis trop bête. Ouais, ça c'est des trucs, jamais je ferais ça hors stream. Parce qu'en fait, je suis en train de parler, du coup j'oublie ce que je fais. Je me dis que le soir, j'aimerais jouer sur mon grand écran OLED. Franchement, te fais pas chier à jouer sur ton PC. À chaque fois que tu joues à la PS5, laisse-la en bas sur le grand écran. Franchement, c'est une console de salon et c'est fait pour. Moi, là, c'est parce que j'ai que ces écrans qui sont ici pour jouer, moi. Mais si j'avais un autre endroit avec un grand écran et une grande télé, franchement, tant pis. Je jouerais là-bas pour chill. Encore, je stream, c'est compréhensible que je me dise, allez, je fais différemment, mais en vrai, c'est vraiment fait pour des gros écrans, des trucs bien stylés. Y a rien à dire là-dessus. Ah merde, elle a plus de portée que mon... C'est pas grave, je vais faire comme ça devant Kaiser. Ils peuvent contourner, c'est un peu chiant. Mais après, je le déplacerai au pire. Hein. Oui. Hein. J'ai envie de faire un mur de feu, je fais un mur de feu, écoute. Hein. Encore ce que je veux. Dans un jeu vidéo. J'aurais pu le faire plus haut level. D'ailleurs, un mur de feu plus haut level, ça change quelque chose. Peut-être les dégâts. Hein. Bon, ce sera suffisant, toi, non. On tous contourner le mur, je pense. Ah là, le nain joue dans pas longtemps, donc je peux décaler. Et forme de géant, allez. Ah, j'ai pris 0 parce que j'ai pas fait de dégâts. Ah, ils ont pris quand même un petit peu. Du coup, là j'ai une question. Je crois que quand je fais ça, les épines, ça, elles sont brûlées par la zone, non? Je sais plus trop. Ou alors non, c'est les plantes qui sont brûlées. Les épines, normalement, ils restent. Ouais, c'est bon, tu peux... Et ok, j'ai le même truc que tantôt. Faut que je remette le spell. Hop. D'ailleurs, je tiens à dire que je suis à beaucoup trop d'heures de jeu sur ce. J'ai check mes heures de jeu récemment et je suis un. Ça se fait pas quoi. Ah merde, j'ai plus de charge de canon de serment. Ah bon? Ah putain, ça c'est les impositions des mains et canon de serment, j'avais pas beaucoup. Ah ça, c'est abusé, j'ai utilisé qu'une fois. C'est abusé. Ou alors faut des calisons de serment pour faire ces trucs. Non. Oh, c'est abusé ça. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça, c'est dommage. Pourquoi déjà être inutile? Je pense que je vais mettre mon truc de morse spell. On se fait chier. Aïe aïe aïe, quel bonheur. Marchez donc dans la mort. J'aime trop ce setup des gens qui marchent, qui meurent en se déplaçant. Ah mais Wilhelm il veut jouer. Oh le pauvre. Bah, aussi par exemple j'ai fait ce setup à un moment dans ma game tacticien et les ennemis n'ont juste pas bougé. En fait ils pouvaient pas venir et ils allaient mourir s'ils venaient, du coup ils bougeaient pas. Et j'étais en mode ah bon vraiment. Quoi? Mais t'es level 1 mec. Regardez le. Qu'on tourne hein. Ouais, qu'on tourne. Hein. Mais les mecs level 1. Oh, les mecs level 1. Les mecs level 1. Oh, les mecs level 1. Oh, les mecs level 1. Oh, je vais faire level 6, allez. Ah ouais.
Merde. J'ai encore fermé la porte. Hein. Bon, vous, c'est pas que je vous aime pas, mais... Mais laissez-moi tranquille. Ah, j'ai l'échec critique lui. Écoutez, je vais pas taper hein. Ah si, je peux taper une chauve-souris. Pas le coup critique quand même. Ouais, écoutez, tir à l'arc, hein. Enfin, à l'arc, à l'arbalète. Je sais même plus ce que j'ai, quoi. Non, mais regardez-les, les pauvres, ils savent pas comment venir. Ah putain, par contre le 2 ça doit être volé. Ah oui. Vali. Oh les dégâts. Les dégâts de voli. Châtiment. Oh les dégâts de châtiment. Les dégâts de châtiment. Non mais ce jeu est trop facile. C'est pour les bébés. Oh bonsoir Cookie. C'est pour les bébés. Ah, il prend pas de dégâts de feu? Ah bah si, ouais. Ah putain, ils sont passés. Un mec, il est passé avec 5 PV auto-attaque. Auto-attaque! Oh là, le coup critique auto-attaque, je suis trop heureux. Trop heureux qu'il ait fait ça. Ouais, c'est quand tu vas mourir. C'est trop marrant. Je vais appuyer sur G, parce que sinon ils vont bouger, mes persos. Allez, salut. Hein. Hop. Vite, faut désactiver les murs là, sinon on va prendre des dégâts. C'est bon. Désolé les gars. J'avais pas prévu que ça se passe comme ça dès que j'ouvre la porte. Mais du coup c'est des loups-garous. Le druide il a beaucoup de spells. Le druide il a beaucoup de spells aussi, ouais. Deux druides. Ah, c'est le... il y avait un levier ici, c'est pour ça que la porte se fermait quand j'avais des attaques. Je comprends. Je comprends. Blanche brune. Invité de la fête. Ils invitent des gens, ils les mangent en fait. Partition. Violon. Les tableaux de gens nus. Sans Séverine. Un trône. Base. Trône de fer. Ah, j'imagine que je rate en me coltinant aux 4 jobs que j'ai choisi au début. C'est vrai que j'ai raté beaucoup de trucs de super fort. En vrai, la flemme d'apprendre d'autres trucs. Après, des fois, t'es content de continuer avec ce que t'as choisi. Hein. Tout est faisable avec tous les jobs, de toute façon. Du coup, d'ailleurs, le reste de l'histoire plus bas là. On trouve enfin atteint. Attends. La porte était pleine de sang, de cadavres et de loups-garous. Nous allons devoir nous charger d'eux si nous voulons pouvoir continuer à avancer dans le palais. Voilà. Des loups-garous. Continue par là. On check cette porte. Comment ça? Même pas un petit geste de perception. Oh, l'abus.
Ça va être le retour quand tu finis et que tu finis la game et que tu reviens. C'est bien, beaucoup de summon. Tu attaques une fois. Bah ouais, parce que les summon attaquent. Logique. Bouton. Ah ok. J'ai essayé d'ouvrir le tonneau là, je me sens baisé de pas l'avoir fait. Il y aura rien dedans, hein, spoiler. Ok. Bouton. Verre en argent. Va dans le cristal, très bien. Mais cet endroit. Hein. Il y a une porte. Entrée. Que ça n'a rien d'update, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient dégueulasse ici, hein. Ouloulouloulouloulou. Bouton. Mais arrêtez d'être bête. De l'ail. Attends, j'en ai besoin pour les vampires. Bien sûr, de l'ail. Je vais jeter de l'ail sur les vampires, on verra si ça marche. Si le jeu c'est une dinguerie, ça marche. Par contre, pourquoi j'ai pas de lumière sur moi? D'habitude, je brille. J'ai plus l'habitude de pas briller. J'ai pas lumière avec le paladin, non. J'avais mis lumière sur un perso pour que ça... Ah bah voilà. Ah nice. En plus mon épée a l'air incroyable quand elle brille. Tous ces cercueils. Il y aura rien dedans en plus. Oh. C'est quoi? Il n'y a pas de petits profits. Est-ce qu'il faut, il y a des petits profits. Hein. C'est des profits quand même. Profit troll. J'aurais dû faire du housing dans ce jeu. Avec tous les objets qu'il y a, tu peux faire, t'aurais pu t'amuser. J'y pense quand je vois le tapis là au sol et d'autres conneries. Mais déjà que j'ai 1 milliard d'heures de jeu sur ce jeu, ça aurait été pire. En vrai, c'est bien qu'ils aient pas mis. Oh! Un sachet avec des trucs. Une clé. Ah. La vente. La clé de quoi d'ailleurs? Belle clé plaquée d'argent, très bien. Pas d'autres infos. Ouais, faut aller où là? Hein? Je suis monté là. Moi, je suis monté là. Monté qui est vraiment bon, d'autant plus d'être mis dans de l'eau chaude. Montez qui? Je suis d'où là? Je suis là. Et je suis perdu. Montez qui? Je suis là. Y'a rien par là, on le voit. On le voit avec notre pouvoir de regarder à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
pas lancé dans le pôle. Pas de choses évidentes. Sauf qu'il y a des planches en bois qui sont peut-être cassables. Ok. On va redescendre et on va retourner. Peut-être qu'il y avait autre chose que j'ai raté. Faut que je suis venu d'un endroit, faut que j'aille de l'autre en fait. Faut que je réussisse à aller là en fait. Ouais, c'est ça. Faut que je réussisse à aller là. Ok. Je vais aller là. Ici peut-être. Ah voilà. Ah si, c'est plus joli. Pas d'envers. Ah, du coup ça va m'amener au cercle que j'avais vu que je connaissais pas. Avec le trou. Oh. Oh l'argent de... Bam, j'adore l'animation quand tout se vide. Bouton. Ok. Très bien, mais en fait non. J'ai tué Cazador, ça se trouve sans faire exprès. Arrêtez. Merde alors. Eh ben merde. Eh ben merde mec. Découvrir les secrets du palais, nous avons ouvert la porte, ok. Ah génial hein, j'ai ouvert la porte mec. Trop heureux d'avoir fait ça. Ici, il y a un truc et je réussis pas à sortir, c'est quoi? Mais comment tu fais? Comment tu fais pour entrer ici? J'ai fait des bêtises et je comprends pas, j'ai tué tout le monde. Ah! Ah! Estrade! Estrada vostra di vestrino! You stand on a clean metal platform. A beautiful but antiquated elevator. There are some scuffs to show its age, signs of things dragged onto it over the years. But it seems to be in good working order. On y va! Ah les catacombes, ok. On peut se TP en fait? Bah non parce que c'est rouge. Ah non on peut pas. Oh ça c'est la Moria. J'espère que les balrogs vont bien. Oh putain, faut réfléchir. Pas en stream, merde. Pause. Dans la vidéo, j'ai pause sans faire exprès. Vraiment que je fasse gaffe quand j'appuie sur les touches. Voilà. J'espère qu'il va y avoir un dialogue quand je clique sur la porte et pas juste il essaie de l'ouvrir et qu'il meurt. Encore? Mais je l'ai déjà, mais pas tout de suite. Oh, je peux sauter en bas ici. Ok, et là j'ai entendu quelqu'un moan. Oh, ici aussi. J'aime trop. Just like the door to the ballroom upstairs. Ok. Ok.
bougez pas, les mecs. Ne bougez pas, j'ai tout sous le contrôle. Où sont les boss de Feather Falling? What? Ah putain, elle a jamais remis les boss de réverbération. C'est là que je lui mettais d'ailleurs, je sais même plus. Is that blood? No, never mind. I have just the thing. Ah, c'est mort, non, si je saute. Ouais. En tant que barbare, je peux me balader tout seul, je n'ai rien à craindre. Ah merde, il faut désamorcer. Ok. Tout le monde va venir du coup. C'est encore Feather Falling, bah c'est parfait. Ah mais elle peut voler, c'est vrai, putain j'ai oublié. Le nain vite. Et toi, ben, prends des dégâts, quoi. Rushing Indura. Intestines throb, blood whispers. Elle l'a pas fait? Mais elle est débile. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Light on my feet. At least things have stayed interesting. Nice. All's well that ends. Not as bad as it could have. Et du coup? Ah merde, ça marche pas. Ah si. Oh! C'est rose. L'âme du soleil de Pelor. Et l'attaque de Xer et de cette arme, c'est un avantage contre les morts vivants. Damn. Amen est mieux 13-26, 11-24. Pas grand chose, hein. Putain, c'est stylé. Dommage qu'il faut forcément être avec. Faut forcément être avec. J'ai réussi à faire des phrases habituellement. Faut être forcément avec une arme quand tu joues dueliste. Pas dueliste. On joue pas dueliste, mais on s'est compris. Ça s'ouvre pas, ça. Pas, tout ne s'ouvre pas dans la vie. Alors depuis le temps, j'entends des gens qui ont besoin de mon aide. Je sais pas où ils sont. Comme un mec possédé, je vais allumer tous les paniers. De feu là. Comme un bon mec possédé. J'ai compris qu'il y a des mecs qui ont besoin d'aide, c'est bon là. On peut pas le placer. Ah. Essaye de le remettre droit. Tout 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 tout. Oh, la grosse cage. C'est une grosse 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 cage. J'ai un très très gros indice. Ça a quelque chose de faire ça. Et là je tombe dans le vide. Ça sert à rien. Et c'est super cool. Ah mais attendez, ici il y a une quête. Enfin, une quête. Comme si par là il y avait la suite. Ah bah non. De toute façon ça mène nulle part d'autre cet endroit. Juste d'ailleurs. Bon à quoi sert ces dents en cristal. Oh.
rien de spécial. Hein? Ah, faut cliquer. Sinistre montée. Sinistre montée. C'est vraiment une sinistre montée. J'ai vu beaucoup de déplacements, et ça, c'est une sinistre montée. Je veux juste voir un truc. Quand j'étais ici, est-ce qu'il y a un de sauter à l'étage, vite fait? Pour remonter ou pas? Ou est-ce que c'était un pont et que ça va être compliqué, l'étage? Ah, ils sont là. What's wrong with us? Sinistre montée. Mais je serais triste que ça mène à quelque part où il y a les persos de les vampires et tout, qu'on ait des dialogues, qu'on finisse la strade des vampires sans sauver les gens qui sont là derrière. Ça m'embêterait. Ah ok. Ah, ville basse. Ok. Saut dessiné, je me disais bien. Je me disais bien. Les vampires sont des hommes possédés. Qu'est-ce vide? Ah bah. Quelqu'un est passé looter par là. Y'a pas Vos pas loin, pas que j'aille lui parler, hein. S'il est là. Et qu'il a. Ah, mais c'est le truc avec le pont, le bateau que j'activais pas. Bonjour madame. Ça menait chez les vampires. Ça menait chez les vampires alors. De quelle partie? De quelle... Oui, la fête dans les égouts. Non. Non, parce que c'est pas dans les égouts. De laquelle vous parlez? Je reçois tellement d'invitations. Je sais pas si je dois dire. C'est très exclusif. Je vais te dire. C'est une partie called The Palace. My date's supposed to meet me here, but there's no sign of him. You haven't seen him, have you? Un date pale, dans les skinny, extremely piercing eyes. Astarion? He was ever so keen for me to come. Yeah, j'ai raté la perception. Quel genre alors? Normal. Mostly. Didn't have much of an appetite at dinner. Oh, il voulait la manger. À votre place, j'arrêterai les frais. You're right. Just look at me, up to my ankles in filth, waiting for a man with collarbone fetish. I deserve better. Collarbone fetish. Elle veut pas comprendre que c'est un vampire, hein. I wasn't ready to be in a relationship. I'm sure he'll understand. J'étais pas prêt à être dans une relation. Bah, au moins, on l'a sauvé, la dame. Trop marrant. Arrêtez! Putain, mais ça m'arrive trop souvent aujourd'hui. Ah, la dame, quoi. Madame. Votre petit ami, votre date, c'est un vampire, madame. Ah bon? Comment osez-vous dire ça? C'est un vampire, votre date. Un vampire loup-garou, même. Et on peut être vampire et loup-garou en même temps. Quoi? C'est une vraie question, ça. Peut-on être vampire et loup-garou en même temps? Ça, j'en serais jamais si sûr. À l'aventure, compagnon, nanana, vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois. You've come. We await your goal. Salut! J'adore les déplacements en bateau. Il y
premier de la guilde, il y a ici que j'ai pas bien fait, on dirait. Bah. In it. I have a lot of my mind. Well, in it. C'est bon, c'est une blague qu'ils ont fait un million de fois. C'est abusé quand même. Ah merde. Non mais, je veux traverser dans la sinistre descente. Putain, faut regarder dans l'autre côté quoi. Mais du coup, comment je remonte moi? Tout ça c'est bien joli mais... Peut-être avec le truc justement. Ou alors je remonte par ici, hein, avec triple saut, tout le monde peut remonter. Hein. Ou alors j'aurais dû me TP depuis l'extérieur, ça aurait été plus rapide. Bon allez. Toi d'abord. Merde. J'essaie pas à faire en sorte que la caméra remonte, mec. Alors que j'appuie sur O, c'est ça? Merde, 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 merde. Merde, ça marche pas, ça marche pas. Fuck. Et putain, les jeux vidéo, là. Écoutez, je vais me TP. MTP. La vidéo fait combien de temps? Putain, 2 heures. Oh là, 2 heures, on n'a rien fait. 2 heures de rien. De rien, rien, rien du tout. Rien ne s'oppose à rien. On se retrouve pour continuer. Des bisous. See ya.